Devontae Smith-Pelly? Absolutely. Let's hear what he has to say about the trade. Let's bring him in here. From the Montreal Canadiens, Devontae Smith-Pelly. How does that sound? It's a little different, but I'm excited for sure. What was your reaction when you heard the news? You were dealt this morning. So I was shocked. I mean, I found out at about 7 a.m., so I was a little confused at first. But, you know, once it settled in, I was excited. And, you know, I just started to try and get my stuff together and get ready to get out of here. What are your thoughts on playing in a Canadian market? I know you guys have had a great team in Anaheim, poised to do good things this year, but playing in Montreal is a pretty special place. Yeah, for sure. I mean, being from Toronto, I obviously know what Canadian markets are all about, and it doesn't get much better than Montreal. So it's going to be something a little bit different, but again, I'm really excited. I think the Leafs are in town on Saturday night. I guess you'll be making your debut, if not before then, but certainly you'll be playing the Maple Leafs at the Bell Center on Saturday night as a Toronto Kia. What do you think that experience will be like? I mean, if I get to play that, I can't wait. I mean, you obviously grow up watching those games, and it's going to be something special to get a chance to be a part of that. Do you know anybody on the Canadiens personally? Any friends with anybody? Yeah, I know Nathan Boyeu. I play World Juniors with him, and Gallagher and Bourneval. I know Christian Thomas, and I know PK a little bit. So I'm not totally going into a dressing room where I don't know anybody, so that's a good start. One of the awkward things about player trades is you have to deal with some people that you didn't have a friendly past with. Is there anybody on the Montreal Canadiens that you're going to have a private meeting with, a handshake possibly? I don't think so, actually. I mean, we don't see them too much, so I don't think I have a problem with anybody, so I guess we'll find out if someone feels a little bit different. But all that will get out of the way, and you know, I'm excited to join that room. With Devontae Smith-Pelly, he was involved in a trade earlier this morning. Yuri Seacash going from Montreal to Anaheim, Devontae going back to Montreal. This is going to be a quality opportunity for you. Again, we were talking about this prior to having you on. It's a rare scenario where two first-place teams are making a deal. It's not as if you're going from the worst team in the league to the best. You're going from a great scenario to another great scenario. But in terms of what you're hoping to achieve there, what kind of an opportunity are you hoping to get in Montreal? I mean, I'm just hoping to be able to play and put in a situation where I can contribute. I'm not really sure how their lineup sets up or where I'll slot in, but I'm just going to try and, you know, jump in and learn as fast as I can and hopefully, you know, be able to contribute right away. How much French do you know? Not a whole lot. It's weird. My name is actually French, but I don't know a whole lot. I'm going to have to brush up on that for sure. Yeah, definitely brush up on that because they're coming at you, man, hot and heavy once you get to Montreal. Good luck with the transition. Best of luck in the future as well. Thank you for taking time. Thanks for having me, guys. Devontae Smith-Pelly. Anaheim to Montreal, hoping for an opportunity. And he's a Toronto kid, grew up here. He knows what it's all about playing in Montreal. You talk about culture change. He's in for a hockey culture change where he can walk around Anaheim with his flip-flops and his surfboard and nobody knows your name. Le nouvel attaquant du Canadien, Devante Smith-Pelly, que je retrouve au bout du fil. Hi, Devante. Welcome to Montreal. Hi, how are you? Fine. And what was your first reaction when you learned that you were traded to Montreal this morning? A little shocked. I think every player goes through that. It was really early in the morning, so I was just trying to, you know, kind of get myself together, and it's kind of sunk in now, and I'm really excited to be on my way to Montreal. You know a couple of players with the Montreal Canadiens, Nathan Beaulieu, Brendan Gallagher, Michael Bourneval. You played with them with the junior in the Junior World Championship. Yeah, you know, we were a pretty tight group that year, too, at the tournament, so I'm excited to see those guys again, and it's good knowing that I already know a couple of guys going into a new room. Did you talk with Marc Bergevin? What kind of role will you have with the Montreal Canadiens, you think? I talked to him briefly. I mean, it was really early, and I was just kind of trying to get stuff together. But we didn't talk about, you know, roles. He just said, you know, he was excited to have me, and I told him I was excited to be a part of the team. And, you know, it was short and sweet. And I think, you know, when I meet the team, I'll meet him and talk a little bit more about that stuff. He said in a scrum this morning that you will bring some a physical aspect to the team.
is part of your game, right? Yeah, that's the kind of game I play is, hard nose up and down my wing and physical. So, that's what I'm going to try and bring to the team and try and contribute. I read that you are a Leafs fan. You were a Leafs fan. Is it special for you to, you will wear a Habs jersey right now? Yeah, obviously growing up as a big Leaf fan, and it's a little different, but again, I'm really excited for a chance to play in Montreal. Obviously, I know what that market's all about, and I just can't wait to get a chance to play. Davante, thank you for being with us today. Best of luck. Bye-bye. Thank you. Maintenant, il y a Chantal Maccabé qui est du côté de Saint-Louis, qui a eu la chance de s'entretenir avec Jiří Sekáč quelques minutes seulement après qu'il eut appris qu'il passait aux Ducks d'Anaheim. Voici l'entrevue de Chantal avec Jiří Sekáč. Jiří, how did you react when you learned that you were traded? Well, actually, I got the news when I just woke up, so it was kind of shocking. But and it's my first trade in my life, so it was kind of shocking. But I'm looking forward to it, and I'm pretty excited. You have an idea what didn't work with the Canadiens? I don't know. I really don't know. But I was just happy to be. Be part of an organization like that, and had a lot of fun, and gave me a lot of experience. So it's time to move on. They have a great team, and hopefully I'm gonna fit in and get some real opportunity and show what I got. It's tough to talk about this. I didn't even think about this. I don't think I will think about that, because it's never good if you overthink things. And I'll just move on and focus on my next station. On va retrouver Chantal Maccabé à Saint-Louis. Beau boulot, Chantal. Il avait l'air vraiment sous le choc hier, Jiří Sekáč, ce matin. Ouais. Oui, effectivement. D'ailleurs, juste avant de faire l'entrevue avec lui, je lui dis, comment tu te sens? Il dit, je peux pas y croire. Mais il dit, bon, il dit, je vais être OK. Fait que là, il dit, au moins, je fuis l'hiver. Mais il était sous le choc. Et on a parlé avec Marc Bergevin parce qu'on sait que Marc Bergevin veut se grossir à l'avant. C'est pas parce qu'il n'était pas satisfait de Jiří Sekáč, un patineur quand même assez rapide. Mais entre vous et moi, on trouvait que Sekáč faisait un petit peu de surplace. Il a été 21 matchs en marqué de but. Donc, ça ne progressait pas assez. Ce n'est pas ce que Marc Bergevin a dit toutefois aujourd'hui. Il a préféré parler de la nouvelle acquisition. On fait l'acquisition d'un attaquant de puissance, un gros bonhomme de 225 livres à l'attaque, un ailier droit qui aime frapper, qui a un bon coup de patin également. Donc, on sait que Marc Bergevin ne s'est jamais caché qu'il voulait un petit peu grossir son équipe. Alors, on écoute les propos de Marc Bergevin. Marc, qu'est-ce qui a motivé votre décision de Écoute, souvent, c'est pas se départir d'un joueur, mais c'est qui t'amène dans l'équipe. Puis on amène un gros bonhomme qui est encore jeune à 22 ans, qui a eu du succès dans le passé des playoffs. C'est un gars qui va au net devant le filet, un lancé droitier que je cherchais depuis un bout de temps. Alors, écoute, c'est sûr qu'on donne un bon joueur en retour. Pour avoir quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose. Mais on va aller de l'avant avec Devante. On croit qu'il y a du bon potentiel pour nous. Est-ce que pour vous autres, il y avait quand même, Marc, une petite déception dans la progression que Jiří Sekáč faisait, peut-être un peu plus lente que ce que vous auriez pressenti? Non, pas du tout. Écoute, c'est certain qu'un joueur qui arrive de l'Europe, surtout, dans le nord, de la glace nord-américaine, il y a un ajustement. Mais pour nous, il n'y avait aucune déception du côté. C'est un très bon joueur de hockey, c'est une bonne personne. Je veux remercier Jiří. Il n'a pas été ici longtemps, mais écoute, on a beaucoup de respect pour lui et ses coéquipiers aussi. Alors, mais encore là, je regarde surtout ce qui arrive ici. C'est un besoin qu'on avait besoin et aussi un besoin qu'Anaheim avait besoin d'un joueur comme ça. Alors, je pense que c'est une bonne échange pour les deux équipes. Alors, Smith-Pelly va, si on comprend bien, va plus dans votre philosophie, Marc. Ce que vous voulez donner comme empreinte à votre équipe, parce que c'est ça qu'on doit comprendre. Un peu, oui. Écoute, tu peux pas. Ça prend un mélange de tout. Ça prend un mélange. Quand tu fais une équipe de hockey, tu peux pas avoir tout de la même chose. C'est un bonhomme qu'on croit, un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel encore, qui n'a pas été atteint. Alors, à seulement 22 ans, comme Jiří, on voit que c'est un bon échange de hockey pour les deux côtés. Encore là, l'avenir va le dire, mais on est un droitier. Pour nous, c'est important.
puis surtout un gars qui va aller au filet puis qui va se tenir devant le filet. Il peut aussi tuer des punitions. Je pense que c'est une bonne atout pour Michel en arrière du banc. C'est un joueur robuste. Je sais que tu aimes rappeler qu'il y a des joueurs qui aident à amener une équipe en série, donc qui aident à traverser les séries. Est-ce que tu dirais que Smith Pelly est le genre de gars qui pourrait aider l'équipe à traverser les séries? Je pense que c'est une bonne... ce que tu dis, ça a beaucoup d'allure. C'est un joueur peut-être qui n'est pas aussi flashé, mais c'est un gars qu'on va voir... Encore notre but est encore de faire les séries. On n'a pas encore fait les séries, mais la journée qu'on fait les séries, qu'on rentre les séries, on croit que c'est un joueur qui va pouvoir nous aider de ce côté-là. Est-ce que vous commencez à l'attaque? Non, pas une priorité. Écoute, c'est certain que tu veux. Pour moi, c'est les joueurs du caractère puis qui compétitionnent. Alors, Brendan Gallagher, c'est pas le plus gros, mais on voit ce qu'il apporte. Alors, pour moi, c'est très important. C'est surtout ce que le joueur, la grosseur du cœur, c'est encore plus important que son gabarit. Est-ce que c'était aussi séduisant de pouvoir faire un échange, d'amener un joueur dans votre organisation qui, sur le plan de point de vue contractuel, est au même stade que celui de vous donner? C'est-à-dire que vous avez un gars de 22 ans qui peut jouer potentiellement plusieurs années pour vous, plutôt que d'aller chercher un gars à ce temps-ci, on parle des gars de location. C'est tout ça qui était plus attrayant, Marc, pour aller chercher un gars comme Smith Pelly? Non, écoute, bien, ça fait partie de l'équation, c'est sûr, mais c'est pas la seule chose. Écoute, mais tu veux avoir un joueur qui peut t'aider. D'amener un joueur que son contrat est bien de ce côté-là, c'est sûr que c'est attirant, mais à la fin de la journée, c'est le joueur de hockey que t'amènes, puis lui, il avait les deux. Fait qu'alors, on trouvait ça très attirant des deux côtés. Tu dis que les joueurs ne peuvent pas tous être pareils dans leur style de jeu, mais le profil du Canadien, c'est principalement d'être une équipe rapide. Ça dérange les autres équipes, la rapidité du Canadien. Est-ce que... vous en avez sacrifié quand même un peu de rapidité en cédant ses cash. Est-ce que ça peut être une préoccupation pour toi? Ben moi, écoute, je vois plus Eric comme un joueur qui est quick. Moins de rapidité, mais plus quick. Alors, c'est des termes qu'on emploie de A à B, il est vraiment vite, mais sur une longue distance, c'est pas le joueur le plus rapide. Il était vraiment bon dans l'eau, devant, dans les coins. Fait que je pense pas qu'on s'est vraiment, de ce côté-là, on se fait de la difficulté avec Devante qui est moins rapide. C'est un gars, le gabarit, c'est sûr que c'est pas un marchand de vitesse, mais c'est un gars qui va aller dans des endroits difficiles. Puis pour nous, c'est une chose qui est attrayante. C'était quoi la réaction de Yeri ce matin? Parce que là, cet été, il y avait eu un derby pour lui, il avait accepté de venir jouer pour le Canadien. Alors sa réaction ce matin, ça a été quoi? Écoute, c'est eux qui étaient surpris, qui étaient en état de choc, mais après ça, il est descendu me voir, puis on a jasé 5 minutes, puis il était correct. Il avait un... tu sais, il va changer sa pelle pour son corps de sable. Alors, mais il s'en va d'une très bonne équipe, d'une équipe qui vont aller faire les séries, une équipe qu'on pense que dans l'Ouest, c'est une des tops. Alors, c'est certain qu'il adorait Montréal, il aimait bien nos partisans, mais c'est une partie de la business que personne n'aime, mais ça fait partie de ça. Ces dernières semaines, les caméras te suivaient partout dans la Ligue nationale. On te prêtait beaucoup d'intentions. Est-ce que tu as terminé? Ou... Bien, ça dépend. C'est les autres qui vont me suivre. Je peux pas te le dire. Tu sais, le livre « Where's Waldo », c'est moi, ça. Alors, on risque de te voir encore ailleurs d'ici lundi. Ce que je veux dire, c'est que les intentions qu'on te prête, Marc, est-ce que c'est réel? Est-ce que le Canadien pourrait être encore actif? Écoute, moi, j'ai toujours dit que je fais mon possible pour améliorer l'équipe. Puis jusqu'aux deux, je vais toujours essayer. Est-ce que des choses qui vont arriver, ça, c'est impossible à vous le dire parce que je ne le sais pas, mais c'est certain que moi et mon staff, on est toujours là pour essayer d'améliorer l'équipe si possible. Est-ce que tu cherches un défenseur? Écoute, je ne rentrerai pas dans les détails. Pas un détail. C'est une autre intention qu'on te prêtait, ça, d'avoir plus de profondeur à la ligne bleue. Écoute, avec nos jeunes qui arrivent, avec Perrin, Tinnerk, je pense que Nathan qui a amené sa game à un autre niveau, je pense que ça nous donne beaucoup de confiance qu'à l'interne, on a des bons défenseurs qui peuvent nous aider aussi. Là. Malgré les blessures, que souvent, ça ouvre la porte à quelqu'un d'autre, puis ça ouvre la porte à nos jeunes, puis on est vraiment satisfait jusqu'à maintenant, le rendement jusqu'à maintenant. Tu as toujours dit que tu ne voudrais pas sacrifier ta jeunesse. Là, ce matin, tu as donné un jeune, tu as reçu un jeune. Mais est-ce que tu pourrais modifier ta philosophie d'ici lundi prochain si l'occasion était belle pour vous autres, c'est-à-dire d'en laisser partir un, peut-être un jeune? Écoute, rien n'est impossible. C'est certain que c'est des choses qui sont pas mal plus difficiles pour moi à penser et agir là-dessus. Mais écoute, tout est possible, mais je pense que la vision de l'organisation, de moi et tout le monde, c'est de bâtir pour l'avenir. Alors, je l'ai toujours dit, on va être du succès, pas juste pour une année, mais pour des années à venir. Puis ça, c'est avec les jeunes. Si on fait abstraction des positions, est-ce que tu serais davantage à la recherche d'un joueur qui serait sous contrat pour la saison prochaine, plus qu'un rental?
pas nécessaire. Tout dépend du prix à payer. Je suis toujours ouvert, comme tous les autres DG. On regarde tout, on fait des téléphones, on regarde les autres équipes. Puis si c'est, ça fait du sens pour l'avenir ou pour le short term, si tu, ça coûte pas trop cher, je pense qu'on va faire des moves comme toutes les autres équipes. Merci, Marc. Merci beaucoup. Alors, mon cher Gaston, première réaction à cette transaction. Marc Bergevin ne s'en cache pas. Il aime Devontae Smith-Pelly, ce qui va apporter peut-être au niveau physique. Mais là, c'est pas un top 6. Là, non, c'est pas un top 6. Mais on change du talent de Sekash qui était rapide, qui était peut-être. On le voyait peut-être comme un futur marqueur entre 20 et 25 buts. Pour un gars qui va aller s'installer devant le filet, d'aller dans le trafic, le côté robustesse, là, de déranger le gardien de but, de déranger le défenseur, un peu comme Brendan Gallagher. Il n'y en a pas beaucoup chez le Canadien. Il n'y en a pas beaucoup. Ça. Donc, on va aller. Dans le cas du côté de Sekash, on savait qu'il était capable de patiner. Dans le cas de Smith-Pelly, on sait maintenant que lui peut s'installer devant le filet. Aller dans des endroits que plusieurs joueurs n'aiment pas aller, lui, il passe là. Es-tu surpris du moment où on décide rapidement de se départir de Sekach parce qu'il avait choisi le Canadien et on avait voulu Jerzy Sekach du côté du tricolore? Là. Oui, mais tout a changé par le fait que le Canadien de Montréal est premier dans la Ligue nationale ou du moins se bat pour une première place dans la Ligue nationale. Donc, on est un petit peu moins patient avec les jeunes. On est moins patient avec les joueurs européens qui ont besoin de s'adapter. Puis lui, dans son cas, on dit, ça, j'en suis pas certain à 100%, qu'on lui avait fait la promesse qu'il n'irait pas à Hamilton. Donc, ça retarde un peu sa progression. Dans le cas de Smith-Pelly, peut-être que les gens dans Anaheim disent qu'ils n'ont pas été assez patients. Il a juste 22 ans, il est gros, il est grand. Il va s'installer devant le filet, provoque l'adversaire. C'est les deux côtés. Donc, peut-être qu'on cherchait un peu plus de talent, de finesse de la part des Ducks. Et du côté des Canadiens, on cherchait un droitier qui lance de la droite pour aller un peu déranger le gardien de but, les défenseurs, d'aller dans les zones grises que Gallagher seul faisait avec le Canadien. Ils ont des statistiques semblables, similaires. C'est pour eux le même profil, si on veut. Mais si on regarde la formation du Canadien actuellement, on va vous présenter le tableau qu'on a préparé. Lui, il va se retrouver sur la troisième unité. Bon, à droite, là, on l'a mis à gauche là-dessus, mais il sera à droite visiblement. Pourrait-il être tenté de le faire jouer sur le premier trio? Oui, pourquoi pas? Pacioretty, Desharnais, puis Smith-Pelly. Smith-Pelly, ce qu'il va apporter, lui, c'est de déranger devant le filet les défenseurs et donner beaucoup d'espace à Desharnais et Pacioretty. Et Gallagher, Plekanec serait un bon fit. Je pense que ça va être un bon sujet de discussion aujourd'hui. Mais on verra. Pas trop d'attente. On va s'en reparler à 16h à Sport 30, le magazine, avec Gilbert, notamment à Sport 30 en prolongation. Merci, Gaston. Courte pause, au retour, Sport 30 se poursuit. Restez là.